Shalom, chers amis de la 8e. Nous sommes encore ensemble pour nos enseignements de français et aujourd'hui, nous continuons avec le mot indéfinitout que nous avions commencé la fois passée. Tenez, il y a au tableau quelques exemples. 1. Le tout est plus grand qu'une de ses parties. 2. Plusieurs touts distincts les uns des autres. 3. Nous étions tout seuls. 4. Elle est toute prête. Et 5. Maman était tout affaiblie par le voyage. Ok. La fois passée, nous avons déjà exploité les trois premières natures du mot tout. Nous continuons et nous pouvons dire que le mot tout peut également être un nom. Et là, nous le voyons dans les deux premières phrases, phrase 1 et phrase 2. Et la particularité ici, c'est quoi? Lorsque tout est un mot, il est précédé soit d'un article, soit d'un déterminatif. C'est le cas ici, le tout et plusieurs tout. Et au masculin pluriel, regardez comment il s'écrit. Avec S à la fin. T-S. Ok, là, alors tout est un nom. Tout peut également être un adverbe. Et en tant qu'adverbe, premièrement, il est invariable, comme tout autre adverbe, lorsqu'il signifie entièrement. Et là, nous le voyons dans la troisième phrase. Nous étions tout seuls, donc nous étions entièrement seuls. Mais le mot tout, adverbe, dans certaines circonstances, peut varier. C'est le cas notamment lorsque nous avons un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Voyez la quatrième phrase. Elle est toute prête. Nous avons accordé toute parce que l'adjectif ici, prête, commence par une consonne. Si c'était une voyelle, le mot tout n'allait pas s'accorder. Regardez maintenant la phrase numéro 5. Maman était tout affaiblie. Voilà, l'adjectif affaibli commence par une voyelle. C'est ainsi que le mot tout reste invariable. Donc, c'est un adverbe. Et là, je reviens pour dire que le mot tout qui est adverbe peut varier dans certaines situations. Lorsque notamment, il est devant un adjectif qui commence par une consonne ou un H aspiré. Alors, chers élèves, après chaque leçon, il y a toujours une série d'exercices et vous allez faire ces exercices qui sont ici, comme vous le faites chaque jour. Orthographie correctement le mot tout, si possible, et donne sa nature. Nous avons au total 5 phrases. Vous allez, dans un premier temps, orthographier si cela est possible. Et ensuite, vous allez déterminer sa nature. Je crois que nous avons fini avec le mot tout. Et je vous dis au revoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus et à plus. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbes 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vend pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Toussez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec le main. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.